Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Aetheris, pardon. On reprend notre petite aventure, on arrive donc dans la montagne des Sibyllins. Et pour Alastre, pour qu'Alastre découvre le gameplay, on va se lancer. Donc on arrive au début de chaque zone, la croisée des chemins, comme la zone d'avant. On va choisir, on va faire des choix qui vont nous guider pour différents événements de quête de la suite. Alors, vous suivez un sentier au pied de la montagne, longé par une rivière qui semble le suivre son propre chemin à travers la roche. Soudain, des cris se font entendre plus haut dans la montagne. Alors, on peut suivre la rivière, rester sur la route, suivre les cris ou prendre un raccourci. On veut aller vite, on va prendre un raccourci. On cherche un chemin plus court. Alors, la question c'est est-ce qu'on l'a trouvé? Voyons voir. A-t-on trouvé le chemin? Vous quittez la route pour serpenter entre de hauts rochers, mais vous découvrez que votre raccourci est bloqué par un éboulis. Merde. Faire chuter les pierres ou déblayer de force. On va faire chuter les pierres. Votre méthode est étonnamment efficace. Oh oui. 3 de force pour Rosidio. Bon, c'est pas le meilleur force, mais... Et on évite le prochain combat. Ah oui. Alors ça fait du butin en moins. 45 d'XP. La vache. Ça, c'est de l'événement positif. Alors mon gars, si tu pouvais te trouver un petit passif toi. De la puissance ou des PM initiaux. Oh c'est bien ça. Allez, un petit passif. Ah, il y a un rare après. Alors, 4 d'initiative et 6 de puissance. Ou alors 15 d'init à chaque aventurier jusqu'à ce qu'ils jouent leur premier tour. Ça nous garantit de jouer en premier. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal du tout. La couleur des réponses, ça indique quelque chose. Eh ben, c'est une bonne question, je ne sais pas du tout, Alastre. Je pense que c'est lié, c'est les mêmes couleurs en fait que la roue des personnages. Mysticisme, empathie, rationalité et brutalité. Donc il y a probablement un lien, mais je sais pas exactement lequel. Allez, en avant, le feu de camp. Bah, le feu de camp va se hâter parce qu'on n'a rien à y faire de particulier vu qu'on n'a même pas fait le combat du coup. Donc on va en profiter pour regagner quelques jours d'avance sur l'ombre qui nous poursuit. Et on court, on court, on court, on court. Alors, quelque chose barre votre chemin. On dirait une drôle de charrette renversée en travers de la route. Ses occupants ont disparu mais sa cargaison est toujours là. Tu vois, on est rationnel, on inspecte le véhicule, on est en pâte, on étudie les environs. On va étudier les environs. Vous levez le museau et reniflez l'air autour de vous. Il y a quelque chose de vicié ici. Les empreintes autour de la charrette sont claires. Quelque chose pourchassait ses occupants. Mieux vaut ne pas rester là. 10% d'esquive. Parfait. Parfait, parfait. Alors du coup, on a pris notre raccourci. C'est quoi la suite? Une puissante odeur vous saisit les naseaux et vous retourne l'estomac. Vous avancez jusqu'à sa source qui se trouve être une multitude de cadavres de Vazar aux écailles noires, empilés en tas sur la roche. On va se recueillir. Vous restez en silence à observer l'horrible spectacle jusqu'à ce que des pas lourds et un croassement enroué étouffent votre prière. L'heure de la vengeance a sonné. 4 de puissance. Parfait. Allons mettre des fessées. Probablement des corbacs ou un truc du style. Un Krakors. Ok. Allons-y. Et il est tout seul? Ah non, il a un petit corbillac planqué dans les hautes herbes là. Ah, la direction artistique est vraiment trop bien. 16 stress de dégâts physiques, il s'envole jusqu'à une case distance sur 8 cases, ok. Il vole un point de spiritualité, waouh! D'accord, donc il a pas de points de spiritualité, mais il les vole, et s'il arrive à en voler 3, il nous fait son œil psychique, qui fait 33 de dégâts magiques et moins 3 points d'action. Brrr, la violence! Et il récupère des PV quand il tue un ennemi. On va essayer de faire en sorte que ça n'arrive pas. Et lui, ça doit être une version améliorée. Des PV en tuant un ennemi. Il récupère des points de spiritualité au début de son tour. Waouh! Il rend des PS à ses alliés. Il fait des dégâts magiques. 3 ignis et moins 4 S15 esquives. Il fait des dégâts physiques. 20-26 de dégâts magiques et 1 de PAPM à toutes les cibles adjacentes. Ah oui, c'est un... C'est une saloperie quoi. Très bien, donc du coup. Flybes, hein, j'aimerais que tu sois à portée. Est-ce que tu peux être à portée? Oui. On va prendre
Alors lui, il pourra sauter, donc on va le prendre lui et on va aller s'occuper. Flames, c'est bien notre tank. Hein. Oui. Notre tank avec séance de défense et tout, parfait. Et là, c'est notre critiqueur. Donc on va aller essayer de s'occuper de lui. Normalement, on a 15 d'init. Voilà, au premier tour. Ce qui va nous permettre de nous faire un peu plaisir. Hop, on prend l'œil affûté. Et on va lui cogner dessus à cet enfoiré. C'est sûr que si on fait pas de critique, pas masse de dégâts. Pas se mentir. Le gourdin. Bim. Voilà, 17 points, c'est pas mal. Et ici, alors, ici on pourrait sauter, ça nous prend 6 cases, 6 points, c'est pas hyper intéressant parce que ça proc pas le sadisme. Enfin, ça va le proquer, mais je préfère mettre des petits coups de dague pour proquer le sadisme. Et du coup, avec ça, est-ce qu'il a de la défense ce personnage? Non, il a 0 de défense, donc ça sert à rien d'utiliser ça. Là par contre on saute, ah merde, je suis obligé de faire des dégâts sur lui, il n'y a pas de case libre là. Est-ce qu'il y a une case libre derrière? Ah non, je peux pas sauter, alors je peux me déplacer. Non, il faut 3 points de mouvement pour faire ça. Merde, dommage. Dommage ça, je peux faire ça. Ça, je vais jusqu'à lui quand même. Et on fait la grosse lame là. Ça pique. Ça pique les fesses. Ok, il nous a volé des points de spiritualité. Et en plus, il en a pris un. Donc là, il a 3 points, il va pouvoir faire son œil. Donc on le défonce. Faut qu'on le défonce, et bien sûr on fait des jeux de merde, mais eux aussi. Parfait. 6 points d'action, non pareil, on va aller là. On va préférer... Ah il résiste. Ah l'enfoiré. Là il a boosté sa défense du coup. Pendant un certain temps. 10 de défense, ah oui. Pendant un round. Ah donc ça sert à rien pareil de faire ça. Du coup on fait 9-15 avec ça. On va plutôt mettre un coup de notre grosse épée là, ça va passer sa défense, voilà. Bon du coup, il fait un gros saut, on a pris là mais on a esquivé l'autre, c'est parfait. Alors ça c'est un piège, hein. Faut que je le pose et faut qu'il marche dessus. Ouais. 75% de chance de toucher seulement, c'est pas cool ça. Il va pouvoir nous faire son œil, enfoiré. Alors, qu'est-ce qu'il lui faut pour faire son œil? Il a 4 points d'action et ça coûte juste 3 points de spiritualité. Donc, même si on lui crame tous ses points d'action, et en plus, ça a 12 cases de portée. Waouh, c'est le bête. Donc, même si on lui enlève tout, de toute façon, il pourra le faire quand même. Donc, on va le cogner et il nous esquive en plus. On va peut-être commencer à se replier, comme ça, on posera un piège derrière au pire. Waouh, le 32 de dégâts qui pique les fesses. En plus il va rejouer, ah non c'est le gros. Alors il nous a déstabilisé, ça fait quoi? Moins 15 d'esquive et moins 3 d'initiative, ok. Là si je gagne 2 cases, je peux l'atteindre. Ouais, après je pourrais lui mettre un malus, mais c'est pas utile je pense. On va aller le taper. Ah, ou alors on le rate. Là on va se reculer. Ah non, il faut un point pour ça, merde. Échec. Gros échec même. On peut utiliser ce mot. Tant pis, on va tuer son copain. Il est pas mort, sérieusement. Allez, voilà. Sadisme. Un piège, on va voir s'il marche dessus, même si c'est pas... Oh, de toute façon il a pas assez de mouvement, je suis con. On va s'éloigner un petit peu plus parce qu'on est quand même bien dans le mal. Il faut le temps que les autres reviennent là. On va se donner un peu de motivation. Ouais, non, pourquoi pas. Hop.
On va essayer de se mettre par là, comme ça il va peut-être avoir envie de venir vers nous par ici. Il joue assez vite. On pourra sauter jusqu'à lui, mais j'ai pas envie du coup. Je veux qu'il vienne vers moi. Ah, il vole. Ah, le fumier. Ah, le fumier. C'est bien joué. C'est très bien joué, je peux pas dire. Alors, je peux donner un petit peu de soin et me soigner moi-même du coup. Ouais, j'ai pris 24. J'ai donné 24 et j'ai gagné 24, c'est bon ça. Et on le finit avec un bon critique des familles. Finalement, c'est le petit mob le plus relou. Ouais, 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 les petits corbacs là. C'est un petit peu des saloperies. Mais globalement, ils sont très forts en fait, tous les corbacs. Ils ont une thématique où ils sont forts quand il y a des ennemis autour d'eux en fait. Alors, une lance vermeille. Sa lame colorée est la dernière chose que vos ennemis verront. 5 d'init, mais on perd en spiritualité et en force. Et ça coûte 6 points, ouais. Ah, il en a une pétard. Donc, ça, c'est une arme à distance pour le coup. Moins 15 de précision, 5 points d'action. Ça peut être pas mal. Petite arme à distance. Alors, du coup. Qui pourrait prendre l'arme à distance? Toi, il te faut deux attaques forcément, mais toi, le gourdin là, tu pourrais attaquer à distance. Hein. Bon, sachant que t'as une portée relativement faible pour ces attaques là, mais t'as un bon move en plus. Ouais, c'est peut-être pas le plus pertinent que tu sois à distance en fait, toi. Avec la lance par contre, le gourdin 8-15, la lance 30-40. Par contre, on perd un point spiritualité et 5 de force, mais l'un dans l'autre, je pense que ça se prend. Et du coup, toi. Ah, la lame là, elle fait mal quand même. Hein. Ouais, peut-être pas de distance en fait. Encore que ça fait 25-38. On perd en précision, on a 107, on passe à 92. Ouais, si, ça se prend. Faudrait que j'enlève ça éventuellement pour pas trop pénaliser sa précision, mais 92 ça reste correct. Hein. Le cadavre de l'imposant Krakor se jouit devant vous. Qui sait combien de Vazar il a bien pu dévorer pour atteindre cette taille? Vous avez envie d'emporter avec vous une preuve de votre victoire. Son bec ou ses griffes? Allez, ses griffes. Vous râpez ses griffes en une fine poudre que vous mélangez à de l'eau. Vous appliquez la pommade ainsi obtenue sur vos blessures qui se referment comme par magie. Le baume de soin. 4 PV à chaque tour. Oh, pas mal. Ah bon, on va donner ça à l'autre avec son altruisme. Là. Carrément. Hop. 4 de PV à chaque tour. Ça va lui permettre d'utiliser son soin beaucoup plus efficacement. Allez, on avance. Un campement. Ça m'embête de camper. Pour recharger notre spiritualité, mais je pense qu'on va s'entraîner un peu. Crame un jour. Mais mine de rien, on commence à être bien expérimenté. Allez, c'est parti pour la suite. Alors. Qu'est-ce qu'on a? Une petite musique familière vous parvient. C'est l'un des chants des caravanes d'itinérants. Décidément, il y en a du monde dans ces montagnes. On leur adresse la bénédiction des esprits. Ils nous souhaitent bonne route. Sentir que leur prière vous accompagne vous donne le sentiment d'être invincible. 4 de puissance. Alors, c'est pas très utile pour lui. Mais bon, on va pas s'en plaindre. Et après, on a un fight. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Dalik. Ah bah je le connais pas celui-là pour le coup. On est d'accord que niveau équipement, on a ce qu'on veut. Attendez, je l'ai enlevé ma lame féale? Ah oui, c'est vrai, je l'ai enlevé pour
mettre la... l'attaque comme ça. À l'attaque. On va voir si c'est mieux ou pas. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait des vasards eux aussi. Les ancêtres des Sibyliens se sont installés sans savoir près d'une ancienne mine d'éther. Sous son influence, ils ont renié les esprits des ancêtres pour honorer un seul et grand esprit et rechercher son nouvel élu. L'éther leur confère des pouvoirs exceptionnels, mais cette bénédiction n'est pas sans prix. Ah la vache, ils enlèvent des PA. Et il peut déplacer un ennemi de 4 cases en infligeant des dégâts. La limitation, donc quand on esquive, il esquive mieux. 4 de défense et les ennemis ne peuvent pas ignorer votre défense, ok. 12 de PV en tout un ennemi, ah oui, sympathique. Lorsqu'un ennemi décède en combat, 6 PA et 20 forces jusqu'à ce que le combat se termine. Wouah! Vache! Quand il fait un coup critique, il gagne 20 de critique, 20 de dommages critiques, de dégâts critiques. Cannibalisme, crit de guerre, donne de la force aux alliés, 4 forces et 1 PA pour 2 tours. Ah putain, la vache, ils sont énervés. J'ai pas changé. Et Dalic, il a le saut bestial, l'acte de coup de boule qui permet d'enlever des PA. Ils peuvent voler des PA à un ennemi, mais pourquoi pas. Corps à corps sanglant, ok, il met des. Du saignement, il prend du saignement. Immunisé au malus de PM, 3 de force à chaque fois qu'on subit des dégâts. Ok, non, oh la vache, ils sont vénères là. Purée. Tu vas pas rester tout seul là, très clairement. Et on a assez de mouvement pour aller le taper. Ok, donc on va essayer de s'en faire un, rapidos. Si on peut, s'ils ont pas une unité de fou. Ah non, on a une unité de fou au début, c'est vrai. Ça c'est cool. Alors, on va se mettre là. Et on cogne. Ouf. La lance dans les fesses. Tiens, mange. Et puis on va donner un petit bonus de mouvement à celui-là, au cas où. Ici on s'approche. Est-ce qu'on peut attaquer là? On peut attaquer là. Est-ce que... Alors altruisme, non, altruisme c'est vrai que c'est que au corps à corps. Donc on va mettre un tir et c'est raté. Et bah c'est ballot. T'as glissé, c'est ballot. J'ai envie de te dire. Alors il nous reste 9, on va prendre le boost là. On va faire l'attaque pour commencer, si on le tue on pourra mettre le piège, on ne l'a pas tué. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre le piège. Non, j'ai plus de points de mouvement. Si, non, j'ai... Ah j'ai plus assez de points d'action, il faut... Ah il faut 3 points d'action, 4 points d'action pour ça. Cool. On le tue sur un critique et ça énerve son copain. Parfait. On va reculer. Ah on est coincé. Mais on peut sauter jusqu'à lui. Ou jusqu'à lui. Ou éventuellement jusqu'à lui. On va sauter jusqu'à lui. Et bim! Je vais en casser des gueules! Ça c'est un mec comme on les aime. Je vais en casser des gueules. Sauter aussi bien sûr. Aïe. Et il nous vole des PA en plus, mais on esquive. Oh la vache! Oh putain! Le fin de force! Il fait tellement mal! S'il nous retape! Donc là, l'esprit nous a ressuscité. Mais ah ouais! C'est hyper violent! Il faut qu'on le débuffe là. Absolument qu'on le débuffe. Putain la vache. Et là on a que 2 points d'action, on peut rien faire. On va rien faire du coup. Ici il faut qu'on soigne. Il n'y a pas à chier. C'est le jeu qui est pas facile ou toi qui es nul. Le jeu est pas simple hein, tactiquement. Après là le passif qui donne 20 force au mec. Alors j'aurais pu le focus en premier, mais il était mal sorti quoi. C'est pas de bol on va dire. Hein. Ok il est mort, ça c'est fait. Faut
qu'on aille aider là-bas. Bon, il a pris 0 de dégâts. Ah, je peux pas passer, sérieux. Abusé. Abusé que ce soit lui qui commence. Va dans son dos, toi. Commence à l'endommager un peu. Un petit critique, ça fait pas de mal. En 3 PM, en 2 PM, on va le debuff aussi. Voilà. Alors si je saute là, je vais faire des dégâts, donc on va... Ah mais non, j'attaque à distance, c'est vrai. Donc, pas besoin de m'embêter. Hop là, 26 de dégâts, c'est pas si mal. Alors il a Berserk, hein, donc à chaque fois qu'on le tape, il prend des... il fait mal, enfin il gagne de la force. Donc il faut qu'on le termine rapidement. 4 de dégâts, t'es sérieux? Allez, empoisonne-le à mort là. Oh, le critique qui fait plaisir. Bon bah on a perdu l'esprit de Flyb. Sacrifié pour le ressusciter. Mais waouh quoi. Ah, et donc là du coup, c'est la première fois que je gagne un combat contre un sibyllin, donc je débloque la poussière aveuglante. Qui sera donc une compétence de type rationnel puisqu'elle est jaune. Accessible pour tous les prochains niveaux. Et ça a piqué un peu, on va pas se mentir. Bon, pas de passage de niveau. Et niveau butin, qu'est-ce qu'on a? 3 cartes, c'est pas mal. Alors, 8 de puissance, mais on a rien de magique pour le moment, donc ça nous sert à rien. Pareil, pas ça non plus. Là, un point de spiritualité 6 PV contre 4 de force. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Regardez qui pourrait profiter de ça. Là, c'est le boss de fin de zone qu'on voit là. Et laissez-moi vous dire qu'elle aussi elle est un peu énervée. Alors, est-ce que quelqu'un pourrait prendre ce truc là, quête de force en échange de 6 PV. 6 PV, c'est pas tant. Hein. Je sais pas, c'est où ta force toi. T'es pas censé avoir de la force à la base à un moment? Ça se fait que t'as aussi peu de force. Ouais non, faut que tu tapes plus fort par contre. Donc c'est toi qui prends. Alors ça, la puissance, ça nous sert à rien. On est d'accord que là, c'est des dégâts physiques. C'est des dégâts physiques. Ça, c'est des dégâts physiques. Donc ça ne nous sert à que dalle. Là, on pourrait peut-être se reposer quand même. Hein, parce qu'on a bien mangé. jours, ça se rapproche, mais on est bientôt à la fin de la zone. Avec un peu de bol, on aura des événements sympathiques là de quête. Donc comme quoi, ça j'avais pas eu le combat avec les sibyllins dans mon premier run, donc il y a quand même des choses qui changent. Selon les choix qu'on fait, il se passe des trucs différents. Là où vous trouvez un liquide noir, soin de départ de la montagne et des pioches brisées sont encore plantées dans la roche. On va toucher le liquide. Vous sentez votre puissance se décupler, vous n'avez plus envie de repartir. Mmh. Alors, ça sentait le mauvais plan, hein, mais j'étais curieux. Un violent tremblement de terre secoue le sol qui se fissure sous vos pattes. On peut fuir calmement, précipitamment, suivre la lumière, on va suivre la lumière. Vous arrivez dans un village à l'abri des tremblements. Vous sentez une puissance occulte protégeant l'endroit, mais ce n'est pas celle des esprits. Un vasard s'avance vers vous, le corps et le visage dissimulés derrière une robe et un masque. C'est comme si l'ombre vous avait rattrapé. Un voile obscur vous entoure alors que le Vazar sort des lames noires de sous sa robe. Ok. Ça nous donne un buff. Je m'attendais à un seul éventlin. Ah, là on commence à voir l'ombre qui s'approche là. Courez ! Et on va combattre Eliok. Et sinon, à l'astre, le jeu est un roguelite, donc on est censé mourir régulièrement. Hein. Y a pas trop de... C'est pas vraiment un débat, quoi. Alors là, on va pouvoir sauter avec toi. Toi non. Toi non. Toi, tu pourrais sauter, mais du coup, t'as une arme à distance. C'est pas bien l'ombre. Alors l'ombre, en fait, c'est ce qui fait le timer du jeu. C'est-à-dire qu'en bas, là, il y avait les jours qui nous restaient avant que l'ombre nous rattrape. Et quand l'ombre nous rattrape...
ça lance un combat d'élite. Si on arrive à le gagner, on peut continuer, on gagne un certain nombre de jours. Si on le perd, c'est la fin du run. Et salut Squash, excellent jeu, tout à fait. C'est vrai, il est très très bon. Hein. Je l'avais à la base, j'avais mis de côté parce que j'avais juste pas le temps. Mais Wild Wits Game m'a contacté pour le tester et donc ça fait quelques semaines déjà, j'avais pas eu le temps de le couvrir, je leur avais dit que je le ferais avant Noël. Et donc et bah c'est maintenant. C'est maintenant tout simplement. Toi t'es un peu loin mais bon, on va faire avec. Alors, il a une bonne initiative mais grâce à notre boost de début, on en a une meilleure. Donc on va prendre notre bonus de motivation. Et on va courir lui taper dessus. Voilà. Bim. Pareil, là on va prendre l'œil. Alors lui il est capable, j'ai pas montré, regardez ce qu'il, un peu ce qu'il fait, mais il est, il a 12 points d'action et qui peut faire beaucoup beaucoup de choses et il a plein d'actions. En gros il peut invoquer des lames pour l'aider. Après il peut nous repousser, faire des dégâts, se téléporter à des endroits aussi pour s'éloigner de nous quand il sent que ça sent la merde. Faire des dégâts à toutes les cibles adjacentes. Il est un petit peu énervé, hein. Bon, c'est un boss hein, vous me direz, mais. Allez, si on pourrait faire un petit critique. Voilà, parfait. Bon, c'est un critique à 8, mais. Toujours ça de prix. Ici, on va sauter. Ici. Bim. Voilà, qu'ils y viennent maintenant. Est-ce qu'il a de la défense, ce monsieur? Il a 2 de défense. Ça peut avoir le coup de la cramer. Ici, on va s'avancer. Pas mal, franchement on a mis 1000 life au premier tour, c'est plutôt pas mal. Ah il gagne des PV par tour aussi. Et là il nous a repoussé tellement loin qu'on s'est bouffé le bord. On a esquivé un peu, c'est pas si mal. Alors il a invoqué ses lames qui vont nous faire chier bien sûr. Ah, il a tellement d'initiative. Violence. On peut le debuff. Et on va rester là. Ça a du mouvement ce truc là. Ouais, plein de mouvements. On va rester là. Alors ici. Mettre un petit piège ici. Là on est hyper loin par contre. Faut revenir. Alors toi tu peux te one-shot les saloperies là. Ouais presque. Il y avait de l'idée, il y avait de l'idée. On va dire le contraire. On va mettre un petit soin. Faut qu'on soit collé. Mettre un petit soin. 15 de soin, on gagne 16, c'est propre. Et lui je le vois pas. Si je me mets. Ouais, il y a ça qui me bloque la vue. Ouais non, je peux pas le voir, tant pis. Prochain tour. Mais arrête avec tes 20 là. Tant qu'il se soigne, tant qu'on lui fait pas de dégâts. Allez, on la débuff, faut en profiter. Voilà, 47 dans ta mouille. Lui il tank comme il peut, même si c'est pas trop son rôle. On va aller là, puis là, on va pas marcher sur le piège bien sûr. On va essayer de lui critiquer la tronche. Non, c'est raté. Alors on est toujours trop loin malheureusement et on joue avant notre buffer donc on a l'air con. On pourrait sauter là. Voilà. Mettre un buff au cas où il décide de se rebarrer parce que lui il faut qu'il fasse du DPS. Oh le critique. Pas cool. Un petit 14, ça c'est bien ça. On va jouer avant lui. Allez, meurs, pourriture. Toujours le piège là, faire gaffe. Toi tu vas pouvoir y aller, donc on va laisser de la place. On va aller dans le dos de... Ah l'enfoiré. Ok, ils sont énervés quand leur copain est mort, c'est ça? Ignore la DF. Non, ils sont passés à 8 de défense là, comme ça, pour le plaisir de passer à 8 de défense. Allez, meurs.
Ah, sale bête. Ah, voilà, avec un critique ça passe, on lui met le poison. Il va nous aider. Comment oses-tu me toucher? Bien d'accord. Scandaleux. Voilà, touchera plus jamais. Et bah franchement, ça s'est très bien passé. Rien à dire. Peut-être avoir des niveaux pour tout le monde d'ailleurs. Non, seulement un. Lui il est à chouille de niveau. Note brutale prend un niveau. Bon, on va le rendre encore plus brutal. Allez. Deux de chances de critique, deux de force. Ouais, non, faut booster ta force, toi. Et on a une compétence potentiellement rare. On va la prendre. Percer, se téléporte jusqu'à 7 cages et inflige des dégâts à toutes les cibles adjacentes, mais subit moins 15 de précision pendant 2 tours. Ok, c'est un saut bestial, mais pas tout à fait pareil. Ça coûte de la spiritualité. 4 de force et 1 de PA pour 2 tours. Est-ce que ça lui permettrait? Ça lui permettrait de passer à 8 points d'action. Par contre, ça coûte 2 de spiritualité. Je préfère le mouvement, en limite, du coup. Allez, hop. Le mouvement, c'est un vrai problème sur ce jeu. Les cartes sont immenses. Perso, 3 points de mouvement. C'est... clairement, des fois, c'est la merde. Hein. Le manteau du roi croix. Défense magique et mouvement. Bah voilà. Exactement, tant qu'on en parlait. Ça tombe bien. Alors, on va donner du coup à toi, t'as le truc de défense et le truc de force, donc pas forcément à toi le mouvement. Toi, ça pourrait être pas mal plus de mouvement. Pour pouvoir lancer son œil affûté et critiquer dans le même tour. Le corps d'Eliog s'étend sur le sol, sans pouvoir la quitter en même temps que la vie. Alors, bah je vais vous laisser choisir, tiens, vu que vous êtes a priori deux dans le chat peut-être encore. On veut récupérer son cristal, on veut récupérer son œil, on veut retirer son masque, ou on veut prendre son épée. Dites-moi ce qui vous ferait plaisir. L'œil ou le masque? Ah bah bravo, faut que vous choisissiez chacun un truc différent. Et eh bah ben écoutez, je vais tirer à pile ou face. Hop. Alors, pile, l'œil, face, le masque. C'est face. Ce sera le masque. Retirons son masque. Retirer son masque et découvrir un Vazar ayant perdu de nombreuses écailles, laissant sa peau à nu. Son visage semble apaisé, comme s'il avait enfin trouvé ce qu'il cherchait après une longue vie de souffrance. 4% de critique de façon permanente, pas mal. C'est pas un objet. C'était un vrai lancer à l'astre, je te jure. C'était un vrai lancer. Bon, ça devrait presque le coup de se soigner, mais l'ombre est proche quand même, donc on va se presser. On utilisera notre soigneur pour se soigner pendant les combats s'il faut. Donc on a regagné quelques jours, on est repassé à 16 jours. Et on arrive dans la forêt des Boiseux. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose? La forêt des esprits s'étend sous vos yeux comme une oasis. Vous vous avancez sous une voûte feuillue aux étoiles fleuries lavées d'une souillure invisible. Mais il n'y a ni chant d'oiseaux ni bruissement de feuilles, un silence pénétrant règne. Soudain, des murmures implorants résonnent autour de vous, accompagnés par une odeur de brûlé. C'est vrai que ça ferait une super intégration Twitch hein, de pouvoir faire choisir le chat. On suit les murmures, alors qu'ils sont accompagnés par une odeur de brûlé, on évite le danger, on cherche les boiseux, on suit l'odeur de brûlé. On va chercher les boiseux. On est en quête des boiseux. Après tout, avec un peu de bol, ils sont pas trop corrompus ceux-là. Ceux des sibyllins étaient bien corrompus, mais... Vous arrivez au village, étrangement silencieux, des traces sur le sol vous amènent à inspecter la végétation alentour. Vous découvrez soudain des ronciers aux épines noires, retenant prisonniers des Vazars inertes. Sont-ils morts? C'est difficile à dire. Vous avez l'impression que les ronces sont venues les chercher jusque dans le village. Brûlez les ronces! Vous mettez le feu aux ronces dans l'espoir de libérer vos congénères. Elles partent en fumée et relâchent les Vazars.
Ces derniers sont pris de spasmes et se redressent en hurlant avant de se jeter sur vous. Ah. Merde. C'est problématique. Du coup, on va combattre des Vazars, là, j'imagine. Ouais. Ah, bordel. Mais je vous ai aidé. S'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur. Alors, à quoi ça ressemble? Ils sont deux. Ils sont deux. Qu'est-ce qu'ils font de beau? La forêt dans laquelle ils ont choisi de vivre est le lieu le plus spirituel des contrées sauvages. Ici même un sceptique ressent la présence des ancêtres tout autour de lui. Cependant, les boiseux sont si dépendants de ce fragile écosystème qu'ils ne peuvent pas l'abandonner, même devant la menace de l'ombre. Ok, il a l'attaque mentale, il a l'attaque d'esprit, c'est ça que j'essayais de sortir pour mon mage là. Faire des dégâts magiques mais qui consomment pas de points spiritualité. Et il a 3 de portée, ok très bien. Et l'autre, il donne des PV par tour pendant 3 tours, waouh. Il a aussi le debuff, 8 d'esquive et 3 de points de spiritualité max. Mais il commence avec 4 on dirait. Ok, alors du coup... toi il va te falloir un soin. Notre soigneur c'est celui-là. Donc il faudrait qu'il soit pas trop loin. Il y a des trucs au sol là qui me donnent pas envie de marcher dessus. Tu vas te mettre là. On va essayer de s'occuper de lui en premier par exemple. Parce qu'il attaque à distance. Remarque peut-être que lui aussi. 24-32 dégâts physiques. Ok, ça pique les fesses. Et c'est la même en fait lui. Il a de la portée, mais ça sert à rien, sauf peut-être pour l'attaque mentale. Ouais. Allez, on a notre prémonition qui va nous aider un peu au début. Donc on est d'accord, ça c'est un piège. On va se mettre là s'il veut nous rejoindre. Ouf. La lance qui fait plaisir. Allez, on va faire proquer un peu le sadisme et le poison, et un petit critique pendant qu'on y est. Ça fait pas de mal. Ici, on va soigner. Ah, franchement, le coup d'avoir le truc qui fait qu'à chaque fois que quelqu'un est soigné, il gagne des PV et qu'en même temps il sacrifie des PV pour soigner, c'est quand même très efficace. Hein. Alors, on pourrait sauter et le finir, probablement. Voilà, un petit critique, c'est parfait. Par contre, envoyer lui qui est déjà endommagé au combat. Peut-être. On va plutôt se protéger, je pense, là, et on va poser un piège ici. Ça, s'il fait chier, il peut se prendre deux pièges potentiellement. On nous a fait une attaque mentale. Bim, le piège. Bim, le deuxième piège. Ah, tu fais moins le malin, là. Du coup, là, on n'a pas assez de mouvement. On peut sauter, là, par contre. Allons-y. Ah, il nous esquive, l'enfoiré. Mais là il nous esquive pas là. Tiens, mange. On a cramé la spiritualité, mais ça valait le coup. Ah, je peux passer là, mais je vais me prendre le piège, dommage. Je peux me donner un petit boost de mouvement. Ça, ça me permet de faire le tour. Et on le finit. Ça vous apprendra à m'attaquer alors que je vous ai libéré des ronces. Bande de méchants! Gagner un combat contre un boiseux. Qu'est-ce qu'on débloque? Régénération, nice. Ça c'est bon ça. J'aime. J'aime ce genre de choses. Ah là ils vont tous prendre un niveau là. Yes, 3 niveaux. En avant. Alors, toi t'es notre critiqueur. Ouais, vas-y. Sois rationnel mon gars. Encore des chances de critique. Alors c'est que 2, mais ouais, 33% ça commence à être bon. Hein. Un passif. Les pièges infligent saignement. Vos attaques ne peuvent plus être esquivées. Ouf, c'est hyper fort ça. J'aime, ça c'est pas mal, mais c'est, ça reste circonstanciel. Ça c'est juste super fort. On va prendre ça. Plus d'esquive alors qu'on est un critiqueur, carrément quoi. Je prends, mais 100 fois. Toi, si tu pouvais sortir une attaque magique, j'apprécierais vachement en vrai.
Plus d'initiative, plus de défense magique, plus d'initiative. Allez, on va essayer de sortir ça. Ah, l'attaque d'esprit. Et transfert d'énergie donne 2 PA pour un tour allié ciblé et lui rend 1 point de spiritualité ainsi que 12-18 PV. Ah, c'est pas mal aussi, hein. Mais une vraie petite attaque. Après, il a sa lance qui fait quand même très mal. Ah, le transfert d'énergie est bien quand même, hein. Allez, hop. On va falloir qu'on prie au prochain coup, par contre. Et toi, on va te booster ton empathie encore un peu. Chance de critique, vas-y. 21 de chance de critique avec sa pétoire, là, ça peut être pas mal. On va chercher un passif. Récupère un point de spiritualité en tant qu'ennemi. Mais t'as rien qui demande de la spiritualité, c'est dommage. Moins 15 de précision pour 2 tours aux ennemis qui vous infligent des dégâts. Ah, sympa ça. On va prendre. L'autre était fort, hein, mais malheureusement pas sur ce perso quoi. On a tiré vraiment que des compétences qui demandent pas de spiritualité avec lui. Un couteau de chasse. 10 chances de critique, 20 de dégâts critiques. Et lance sécheresse qui donne de la force et de la précision. Ah, intéressant. Là, il y a moyen qu'on s'en serve là. Et on s'en sort avec plus de vie qu'au début du combat. Ce qui est plutôt très très bien. Alors du coup, notre critiqueur, il va pouvoir prendre la dague. Où est-ce qu'elle est ? Dague écorchante, non. Le couteau de chasse. Ah, carrément, 8-12 de dégâts. C'est pour le même coup de point d'action et en plus on augmente ses chances de critique. 43% de chance de critique, ça commence à se sentir là. Et la lance, qui c'est qui avait la lance? Toi t'avais la lance vermeille. Pas mal. Elle fait un peu moins de dégâts, mais vu qu'elle booste la force et la précision, je pense que ça se vaut. On va la prendre. On a des très grosses armes là, mais toi du coup, est-ce que ce serait plus intéressant ça? Peut-être. Bon, 5 de force. Et en même temps, s'il critique avec ça. Et comme il a quand même le saut pour se rapprocher des ennemis. Et on s'en fout de la perte de spiritualité. On va lui filer la lance. À 107 de précision, c'est quand même pas mal. Campement, est-ce qu'on prie? Ouais, on va prier. On a quand même perdu pas mal de points, puis lui il en a 7 quand même à recharger. Allez, on progresse. Quelques gouttes vous tombent sur le museau, la pluie s'est mise à tomber sur la forêt. Un parfum de pétrichor s'élève dans l'air alors que la terre se fait boueuse sous vos pas. Alors on peut se cacher, se couvrir la tête, s'abriter sur les branches d'un arbre ou on s'en branle. On va se couvrir et progresser. Avec un morceau de tissu et quelques bouts de bois, vous fabriquez une sorte de grand chapeau qui retient efficacement la pluie. De quoi continuer votre route en toute tranquillité. L'ombre s'éloigne, vous gagnez 3 jours. Oh, sympathique! 3 jours de gagner, ça fait plaisir. On en perd un parce qu'il y a un pari vente. Alors du coup, vous tombez sur des boiseux en train de courir et de... Un boiseux en train de courir et de hurler ses vêtements en feu. Vous ne savez pas si sa panique est due aux flammes ou à ceux qu'il fuit. Le laisser passer ou passer le chemin. Ok. On va le laisser passer. Vous observez le boiseux fuir poursuivi par un arbre. Un arbre a arraché ses racines au sol pour pourchasser un vazar et en plus il est enflammé. Quand vous pensiez avoir tout vu, l'arbre en question écrase le boiseau avec ses branches avant de se tourner vers vous. Vous n'avez pas l'intention de subir le même sort. Mais arrêtez de me donner de la puissance, j'ai pas de magie, bordel. Non. On chier. Sérieux. Alors du coup on va affronter l'arbre. Morbidus. Morbidus. Oh, ce nom de mob quoi. Morbidus s'il vous plaît. La honte quoi. J'ai combattu Morbidus. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a? Ouh, bah la vache, 250 PV.
C'est pas Morbidus le plus énervé, hein. C'est Frénatique. On dirait des noms de Pokémon, quoi. Avec ses branches puissantes, le Frénatique est donné une force immense. Si on le laisse seul trop longtemps, il aberra ses amis. Mais si on s'approche trop, on risque de se prendre un coup de branche. Frexo Tree Toxic en prime. Alors, inflige poison à l'ennemi l'ayant tué si celui est au corps à corps. Ok. Ne peut pas être repoussé. Il a quoi? Jeu de jambes. Pour des points de mouvement, il fait des dégâts. Ok. Pour un point de spiritualité, il fait des dégâts magiques et du poison. Mais ça fait pas grand chose. Des dégâts physiques, il récupère des points de spiritualité et il invoque des Corriglanes pour 9 points, d'accord. Donc il récupère 2 points, il le fait 2 fois, il peut invoquer des trucs. Et 250 PV, c'est chaud quand même. Hein. Sachant qu'il a 6 points d'action. Ça, ça a pas de cooldown, donc il peut le faire. Non, il peut. Ça coûte 2 points de mouvement, il a que 2 points de mouvement, donc il peut le faire qu'une fois par tour. Et l'autre là, Morbidus là. Le Morbidus aime se répandre. Quand il n'est pas occupé à exhaler un nuage de spores de couleur toxique, non, de spores toxiques, pardon, il projette son air pris vers le bazar le plus proche pour aspirer sa force mentale. Et salut Karz, bienvenue sur le live, j'espère que ça va bien. Donc, il a des spores de poison également, pète de spores, très bien. 5 de dégâts magiques et du poison. Donc ils vont faire du poison, eux, hein, clairement. Et ils volent des points spirituels, ce qui sert à rien, si... Il sert à faire ça. Ok. Bon, faut aller péter les fesses. On va se mettre là avec toi et toi pour pouvoir faire un soin. Toi t'es trop loin, mais on peut te mettre un petit bonus pour aller s'occuper de cet enfoiré. Allez, c'est parti. Avec notre prémonition, on est quasiment sûr de jouer en premier de toute façon. Ok, on peut commencer par un soin, c'est parfait. Et on peut aller taper sur lui. Avec la lance. Ouais, avec la lance carrément. Bim, mi-life. Tiens, mange Morbidus, mange. On va aller là, plutôt de ce côté-là avec lui. On va prendre notre petit boost de critique. J'allais dire, on a genre 50% 60% de chance de critique là, faut quand même réussir un critique de temps en temps. Parce faut pas déconner non plus. Allez, on va le chercher. Toi tu peux aller jusqu'où? Non, nulle part, mais tu pourras sauter. Donc du coup pour sauter, il faudra que tu sautes par là, on va se mettre le plus loin possible. Alors, on peut le debuff. Moins 3 PA, moins 2 PM. Si je fais ça, ça l'empêche de lancer ses compétences. C'est pas si mal. Hein. Là on saute, bah, même dans son dos pour laisser la place aux copains éventuellement. Sadisme. Est-ce qu'il a de la défense ce monsieur? Il a 7 de défense, ouais. C'est parti. Aïe. Collé. Il nous a collé l'enfoiré. Qu'est-ce qu'il nous a fait? 3 PA. Ah la vache, j'ai pas assez pour attaquer quoi. Sale bête. Ah, ils sont planqués dans les herbes donc je peux rien y faire malheureusement. Donc on va critiquer un coup, voilà, ça me va, critiquons. Allez, on proc le sadisme. Un petit critique, c'est pas mal. Ah, il est capable d'attaquer vraiment en zone. Hein. Ah, là, on a la possibilité d'attaquer là. Voilà. Ça, c'est pas mal ça. Et on n'a pas ce qu'il faut, mais on a notre retraite. Donc, on peut se déplacer d'une case gratos. Enfin, gratos, ça me parlait. Ici, il faudrait qu'on saute là, on va faire des dégâts malheureusement, mais bon tant pis. Un seul point de dégâts, ça va. Allez, on lui critique la tronche un petit coup, parfait. Là on commence à souffrir, hein.
On a le sadisme qui proc bien, en plus on lui met du poison. Ça mange pas de pain. Par contre, l'attaque de zone, ça pique. Hein. Ah, il faut faire un peu plus de dégâts que ça, les gars. Là. Alors, on est capable de soigner un peu, on va le faire. On perd 16, on gagne 16, c'est parfait. Bam! Ouh, la violence! Ah, il est empathique, alors il est triste quand il tue les ennemis. Gagner un combat contre un frénatique. On gagne épine. Ça a l'air d'être un passif sympathique. Et l'XP. 410 points, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Et niveau butin, qu'est-ce qu'on a de beau? Une dague végétale aussi coupante qu'un brin d'herbe bien affûté. Moins 50 de précision. Ouais. Alors ça pique un peu quand même. Hein. Et la pique frénétique, idéale pour déchirer, lacérer et taillader. Moins d'esquive, mais 2 de force et 15 de dégâts critiques. Ouais. Pas sûr que ce soit utile. On a un petit peu souffert là. C'était un peu un tank là, le frénétique. Alors la pique frénétique, ce serait pour remplacer éventuellement une des armes à deux mains là. Non, bah non, ça vaut pas le coup. Et là, 2 de force, 15 de dégâts critiques, mais on perd notre esquive, on est à 21% d'esquive, ça fait chier quand même. Non, ça vaut pas le coup non plus. Le tronc du frénatique repose enfin au sol, inerte. La pensée qu'à n'importe quelle arme de la forêt pourrait être un tel monstre vous terrifie. Le boiseau est adossé au tronc de l'arbre. Au vu de ses blessures, il n'en a plus pour longtemps. On n'avait pas envie de repartir les pas vite, mais que prendre? Ah bah, je peux pas vous faire voter. On n'a pas trop le choix, on peut que prendre ses branches. Arracher ses branches devient une démonstration de force. On trouve l'écorce de frénatique. Un bois étonnamment solide et résistant, de quoi fabriquer un bon bouclier. Ah, pas mal. On va pouvoir le donner à lui là pour booster encore un peu plus sa défense. Ou éventuellement à toi. Ouais, peut-être à toi. Plus de points spiritualité. Allez, c'est parti. En avant les gars. Un campement nous attend. Et là on va se reposer là. Si on perd un peu des jours, mais on va commencer à avoir l'ombre dans notre dos. Ça y est, elle est là. Elle se broche. Vous arrivez face à plusieurs arbres recouverts de papillons multicolores. Il y en a tellement qu'ils couvrent entièrement les troncs. Affamé et réjoui d'enfin pouvoir manger de la nourriture fraîche, vous échafaudez un plan pour en capturer le plus possible. Écartez les bras. Écartons les bras. Entouré par les ailes multicolores, vous mettez à tourner sur vous-même en riant. Ok, très bien. Bon, on n'a pas attrapé des masses, mais on a rigolé avec les papillons. À moins que là, ils nous attaquent. Un aubépique. Allons-y. Alors, là on a un coriglan. Coriglan. Ah, il donne poison quand il meurt. Des dégâts qui ignorent la défense. Moins 10 esquives pour 2 tours à tous les ennemis. Ah, sur partout quoi. Il n'y a pas de portée. Et moins 10 de précision par tour à tous les, pour 2 tours à tous les ennemis. D'accord, c'est une petite saloperie quoi. Et l'aubépique. 2 fois 10, 18 de dégâts physiques ignorant la def. Ok. Et 12, 18 de dégâts physiques ignorant la def. Ah bah, oui, décidément. Et on a aussi un Morbidus. Ok, encore planqué là. Très bien. On va se mettre au centre, comme ça, ça nous laissera des options. Alors, comme option, on a lui qui pourrait aller s'occuper de ce truc.
Tiens, c'est tout. Mange. Alors, toi, lui, il a des trucs avec le mouvement, je me souviens plus. Non, il a un point de mouvement. Et il a un truc qui attaque à distance, ouais, c'est ça que je voulais voir. Parce qu'il a très peu de mouvement, mais il a un truc qui attaque à distance, donc ça sert à pas à grand chose de s'éloigner. Sauf si on veut se faire celui-là. Qui l'un dans l'autre pourrait ne pas nous atteindre, donc on va aller se planquer dans l'herbe. On va même se mettre derrière. Hop. Toi, tu vas prendre le petit buff de mouvement. On va aller se planquer dans l'herbe aussi. Dans l'herbe, on peut pas être touché par les attaques à distance normalement. On va essayer de se débarrasser de lui. On va prendre un peu de poison, mais bon, c'est comme ça. On peut pas tout faire. Il se moque de nous. Tu connais la blague du gob-gob qui tombe dans le trou? Et en plus, il nous met un bout de nerf et en plus, il m'attaque. C'est quoi ce mouvement de fou? Saloperie! Ah ouais, là l'initiative c'est pas la même là. Alors du coup il nous a fait quoi l'autre là? Moins de précision et moins d'esquive, c'est ça? Ouais. Ça c'est pas cool. Bah il va falloir qu'on aille lui taper dessus. Ah, il y a un piège là. Alors comme ça on cache des pièges dans les herbes. C'est pas très très gentil. Moi je trouve. Et on avoine. Il revient vers nous, très bien. Et nous met un critique. Pout. Pout quoi. Sérieux. Oh l'ennemi quoi. J'hallucine. Allez. Critique lui sa tronche. Voilà, ça commence à être un peu plus sérieux là. Bon, par contre toi. Tiens, il y a un autre. Avec le poison, il va peut-être mourir là. Hein. Ah vache, il s'excite l'autre. On fait pas un critique par tour, mais ça commence à compter quand même. Hein. On va aller se mettre là-bas, comme ça, si lui il veut sauter, il aura une place. Là, on va faire un petit soin. Et après, on avoine. Lui, il est mort du poison, parfait. Et on résiste au poison, puisqu'on a toujours notre petit truc qui permet de résister au poison, notre petit pendentif. Ouf, gagner un combat contre une aubépique. Rafale de coups. Ok. Et on gagne un combat contre un corriglan. Alors ça c'est juste du bleu, hein. C'est pas du violet. Hein. On sent que le corriglan c'est pas le même. Esprit farceur. Parfait. Enfin les couleurs en vrai c'est le style de la compétence, mais il y a un aura autour là qui donne la rareté. Et on a trois cartes de butin. Une arquebuse. Son vieux bois vous pique les doigts, mais ses coups ne pardonnent pas. Dégâts critiques. Ok. Mettre ce collier vous donne une inexplicable envie de sautiller. Ah, un gain brut. 2 gains bruts. 24 PV, 2 de force. Nice. Ça, c'est bien ça. Bon, alors l'arquebuse, je sais pas trop si ça vaudra le coup, mais. Mais les deux petits trucs là, ils sont pas malins. 8 d'esquive. Toi t'as 12, toi t'as 8, toi t'as 16. On va t'enlever ça. On va te donner ça. Tout le monde est plein, ouais, donc toi t'as quoi? 5 chances de critique. 1 PM c'est pas mal, hein, la défense magique aussi. Je pense qu'on va virer le pendentif là. En échange d'esquive. Alors l'arquebuse d'un 22 à 40 pour 6. Moins 42 PV quand même. Hein.
ça pique, moins 42 PV, ça fait moitié de vie en moins quoi. Non, c'est trop chaud. Alors on campe, on va se hâter. On repousse un petit peu l'ombre. Allez, on va terminer la zone. Vous avancez prudemment à tenter d'éviter les arbres, ce qui n'est pas évident dans une forêt. Tous ne semblent pas animés, mais certains doivent l'être. Vous remarquez devant vous un chêne à l'air suspect. On tape dedans. Bah, ok. Frappez à grands coups dans le chêne devant les regards horrifiés de deux boiseux. Ces arbres appartiennent à l'un de leurs ancêtres. Vous n'avez pas le temps d'expliquer les raisons de votre geste, qu'ils courent chercher des renforts. Cette fois, vous êtes dans de beaux draps. Bah, ouais, bah, franchement, avec ça comme choix, bravo, quoi. On évite le prochain événement, en plus. L'événement pourri. On va avoir une armée de boiseux en boss sur la tronche, quoi. Oh non, j'hallucine. GG, bro. Ouais, bah, tu m'étonnes, il va pas être content. Là. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Attaque d'esprit, attaque mentale, 3 de force, ok, standard. Attaque mentale, régénération, 8 d'esquive, 3 de points de spiritualité. Et donc le boss, 1 PS au début de son tour, 3 PV au début de son tour. Alors pour 3 points, waouh, il en a 10, la vache, et 9 points d'action. Pour 3 points de spiritualité, il inflige 1 point de mouvement en moins. Là, avec un 5 de cooldown. Ok. Ah, mais sur toute la map, ok. 16-20 de dégâts et moins 1 de points de mouvement. 18 points de dégâts et du poison. Il invoque un champi cocon. Et il repousse de 5 cases pour 5 points d'action. Ok. Ça va être Tandax. En plus, on est obligé de se déployer loin. Alors, on va déployer le sauteur peut-être loin. Quoique, toi, t'as ton buff de mouvement. Ouais. Tu vas pouvoir venir. Ok, on va jouer en premier. En tous les cas. Tu fais exprès de faire les mauvais choix de dialogue à chaque fois. Non, à l'astre, là, j'avais pas le choix. Je pouvais prendre que ce choix-là. Tous les autres, j'avais tellement peu de chances de réussir que mes esprits m'empêchent de les prendre. En fait, quand on a notre esprit, là, qui est avec nous, il nous donne des bonus. Il nous permet de ressusciter. Mais il nous empêche de prendre des décisions incertaines. Donc du coup, ça fait un malus. On n'est pas obligé d'en prendre au début de l'aventure des esprits pour nous aider. Mais si on en prend, bah, on sait qu'ils vont nous empêcher de faire des choix. Après, normalement, si ça avait été... Non, il y en a un qui a perdu son esprit, non? Ouais, lui, tu vois, il a perdu son esprit, donc il aurait pu choisir ce qu'il voulait si ça avait été lui qui avait fait le choix. Par contre, du coup, il peut pas ressusciter et relancer des tirages quand il évolue. Donc, c'est un choix à faire. Alors, est-ce qu'on va tanker ici? Je pense qu'on va aller, ouais, on va aller tanker avec lui. En plus, on va lui mettre du poison. Ou alors, il esquive. Gauche, il a autant de défense que ça? Ah, il a 10 de défense, oui. Et 5 d'esquive, par contre. Ouais. Donc, l'esquive, c'était vraiment pour se foutre de ma gueule. Bon, on va tanker avec lui. Ici, on se motive et on va aller taper là. Alors, est-ce qu'on peut faire un petit soin? Ouais, c'est pas forcément encore une priorité. Là, on va aller ici. On soigne un peu. Et après, on esquive. Alors toi du coup tu vas pouvoir aller là. Ça. Mettre un petit coup de dague. Parfait. On prend pas le buff. Parce que waouh. Ah oui, il est vénère quoi. Alors, faut qu'on regarde ce que fait le cocon. Là, il nous a raté, c'est parfait. 12 pour lui. Alors, le cocon, là, qu'est-ce qu'il fait de beau? Fait naître un coriglan lorsque le cocon est prêt à éclore.
Le champi-cocon ne bouge pas, ne vous blessera pas, vous pouvez l'ignorer. À moins que... Qu'a-t-il en fait dans ce cocon ? Est-ce que tu peux... Ouais, tu peux mettre le truc sur lui, parfait. Aide-le à revenir. Après, tue celui-là. Ouh, 63 de dégâts. On va aller se préparer à avoiner là. Ok, ici... Ah, ici non, on est bloqué, on peut rien faire. Merde, on est coincé quoi. Bon bah, on fait rien. Ah, il est clos déjà. Bordel. C'est rapide. Ouais, du coup, il a tellement de mouvement. Ok, on va lui enlever un peu de défense. Il nous esquive. Putain, mais il a 5 d'esquive le mec là, faut arrêter les conneries à un moment. Oh la vache. Ah, il en invoque un autre. Oh là là. Ah ouais, il va falloir qu'on avoine hein. Ah, en plus il se soigne. Sérieux? Sérieusement? Non mais il faut arrêter. Bon ok, alors faut qu'on le défonce. Là faut arrêter les conneries là. Oh la vache quoi. En plus il peut jouer direct. Ah il peut jouer direct, il va nous faire son malus, là. Oh le drame. Ok. On va commencer à mettre du piège un peu partout là parce que là, est-ce que je peux soigner là-bas? Non, il est trop loin. On va le debuff à max. On va s'approcher de lui. Alors là, je peux sauter ici par exemple. Ah, j'ai pas réussi à tuer le champi-cocon quoi. Oh, mais combien il peut en invoquer, c'est abusé quoi. Oh la vache, le double critique. Oh là là. Et lui il a plus son esprit, s'il meurt, il meurt. Hein. Je le vois pas, sérieux. Ah non, c'est vrai, faut que je sois au corps à corps pour ça. Ok, on va soigner. De 12 seulement, sérieusement. C'est une blague. C'est vraiment pas cool. On va tuer celui-là avant qu'il nous invoque une saloperie. Et on soigne un peu. On vous rate. Pas si mal. Alors là, faut qu'on avoine. On va prendre le critique. Et après, deux coups sur lui. Alors, c'est des petits critiques, malheureusement. Il y a une petite dague, mais il a énormément de défense en plus, lui. Ah ouf. Purée. Ok, un champi-cocon de moins. On va aller avoiner lui. Voilà. Tant qu'à faire, on va là. Aïe. Arrête avec tes champi-cocons là. En plus là je ferai 6-12 de dégâts, c'est pas suffisant. On va aller défoncer celui-là. Là faut qu'on avoine. C'est pas ouf mais bon. Mais sérieux, ils sont où tes critiques là? Hey. Un PV, ça sent la fin. Ouais, on n'a pas d'esprit là, donc lui c'est fini. Il retourne au campement.
traître. Je te rappelle que c'est moi qui, c'est toi qui me tape. Il en invoque un par tour, quoi. C'est la méga violence, hein. On se débarrasse de lui. On perdra un autre. Oh, le 1 de dégâts. On s'en sort pas avec notre deck, quoi. Le 3 d'init là. Heureusement, on a un petit peu d'altruisme. Allez. 13, mais arrête de soigner aussi peu. Franchement, t'abuses. Sérieusement. Oh la vache. Et l'esprit, normalement, il a son esprit. Voilà, l'esprit le relève. J'espérais qu'en le bloquant, il pourrait pas invoquer de trucs, mais il invoque tout ce qu'il veut. On le tue, hein. On gérera les corriglons après, mais... Il a pris le piège. Remets un piège. Après, tu peux rien faire d'autre. Oh là là, les jadinites qui font en plus. Nous en réinvoquer un autre, l'enfoiré là. Oh, oh là là. Sérieux. Bon, on peut le tuer ce tour-ci, lui, avec un peu de bol, là, s'ils arrêtent de nous emmerder. 82% de chance de toucher, et on se rate. C'est le moment où les... les chances de le signe rentrent en jeu là. Ah, on pourra jamais le tuer avec la dague de l'autre là. Ah, et là on se rate quoi. Ah, un petit 16 là. Le petit 16 qui peut nous sauver la peau. Allez, ok, ça c'est fait. Je crois que le jeu veut me faire passer un message. Bah après, de toute façon, ouais, c'est un peu le concept, hein. Techniquement, là, nos mecs sont quand même montés assez loin en niveau. Ils vont être capables, du coup, de... Comment ? J'ai plus les mots, c'est pas grave. Ils vont, même s'ils meurent, leurs esprits pourront resservir pour les suivants. Et du coup être plus efficace. Mais... Oh non. Oh dommage. Après on n'est pas encore mort, hein. Il nous reste voilà, les esprits qui nous aident à revenir. Mais... Ok, il va être temps d'aller tataner un peu. Mange. C'est relatif, mais mange quand même. Alors, ce serait bien ici de faire un soin. Voilà. Et du coup. Ok. Mais il est pas mort. Oh non, sérieux. C'est vrai que le fait qu'il n'y ait pas d'attaque d'opportunité, c'est vraiment gênant. On va pas se mentir.
Ah là, ça c'est un vrai critique comme on les aime ça. Oh. La fameuse strat du 1 PV. Là je pense que le jeu veut effectivement faire passer un message, alas. Ok, on va l'attendre, l'autre, il va falloir qu'il revienne vers nous, il pourra pas s'enfuir très loin après. Enfin, encore que... Le mec avec un PV qui va jouer, quoi. C'est tellement abusé. J'hallucine. Oh mais allez là! C'est une blague! Là j'aurais pu sauter au milieu, tuer celui-là en faisant des dégâts de zone, je vais être obligé d'utiliser une attaque pour lui quoi. On va reculer. Rapprochez-vous. Sérieux, t'as autant de mouvements que ça. Ok, on fait un jet pas trop mal, mais il y a encore l'autre enfoiré qui joue d'abord. Mais laissez-le en paix! Attaquer, puis il va se tirer sur le piège avec un peu de bol. Ok, là je peux aller finir lui. On va s'éloigner. On fait ça pour avancer d'une case. Voilà, merci. Purée quoi. Alors si je gagne deux mouvements, je peux aller finir lui. Ok, ça se diminue petit à petit. Mais arrêtez de faire déjà pareil. Non, le mec a 8 qui va nous refaire mal quoi. Et en plus il critique. Sauter là-bas là. Ouais parfait. Allez. On a tué celui-là, nickel. On s'est pris un peu de poison mais c'est pas grave. On s'en remettra. Non. Purée. Ah mais là on a du poison là. Putain, il nous reste 2 PV et il nous reste une stack de poison. On va crever comme un con. Sérieusement. Je suis pas capable de le soigner. L'autre il a fait une mauvaise initiative, du coup il va pas pouvoir soigner avant que celui-là meure. Bon bah effectivement je crois que c'est le moment d'arrêter. Pour le coup, sauf si j'arrive à le tuer. Oh! Ça pique. Bon, on a quand même perdu une personne et j'ai jamais réussi à trouver d'endroit où on pourrait recruter pour le moment, donc je pense qu'on peut pas récupérer un quatrième mec après. L'orbe destructeur. Mais ouais, mais on n'a pas trouvé d'attaque magique sur ce run, c'est abusé. Ah, on a deux trucs. Bon après l'autre qui invoque un corriglant par tour quoi. Excusez-moi quoi. Gagner un combat après avoir tué au moins 6 ennemis avec un seul vazar. Justicier. J'aime. Gagner un combat avec un vazar qui a 5 PV ou moins. Bah c'est pas passé loin, faut avouer. Bon bah plutôt un bon... À part le décès de Flypes quoi, mais merci Squash. J'avoue que c'était tendu. On va te faire monter un peu ton empathie, toi. Peut-être choper des PV ou un peu d'esquive. La force.
Tu fais plus de dégâts, tes critiques font plus mal. Soins expérimentés. Bah voilà. 16-24 de PV, c'est pas mal ça. Pour juste des points d'action. Je prends. Alors toi, est-ce que tu vas pouvoir choper une foutue attaque? Jouer un Vazar très spirituel. Un grand sorcier. PV ou 4 défense magique, on va prendre les PV parce que on est un peu à la bourre. Ouh. Allez, ça c'est bien, ça c'est le bon truc ça. Grand sorcier, immunise contre la perte de points pendant 5 tours y compris en lançant des sorts. Oh, donc pour 1 point de spiritualité, on peut lancer autant de sorts qu'on veut. Pas mal. Go. Prends, de toute façon on va arrêter. Mais belle compétence, moi j'avoue. Et toi, tu gagnerais à être un peu plus brutal en fait. Tu fais pas mal de dégâts, mais un peu plus de force, ce serait pas mal. Un petit passif. Ah, il y a un passif rare là. On va le chercher parce que pourquoi pas. Ignore la défense. C'est bon ça. Il a pas mal d'initiatives, mais pas assez pour avoir le truc de jouer en premier. Et le butin. Alors, un de mouvement, un moins un point d'action. Waouh, c'est plus qu'un bijou. Chaque aventurier gagne un PS tous les 3 tours. Ah, sympathique. Par contre, le lasso, moins un point d'action, ça fait chier quand même. Tout qu'on a perdu quelqu'un. Il va falloir qu'on joue pour deux. 1,33 exactement. Allez, on va regarder ce qu'il nous propose de faire avec son cadavre. Mettre une graine dans sa bouche, examiner son corps, respecter le rituel, couper sa patte difforme. Allez, qu'est-ce que vous voulez faire dans le chat? Après on s'arrête. Dites-moi, est-ce qu'on met une graine dans sa bouche, on examine son corps, on respecte le rituel ou on coupe sa patte comme des gros sacs? Le manger. Couper. Bon, visiblement vous êtes pour la... Sa patte a tellement grossi que vous avez du mal à soulever. Mais l'écorce qui la recouvre a l'air solide, vous pourriez sûrement vous servir d'arme. Le bras de Poujou. Cette massue tordue ne ressemble plus vraiment à un bras, pourtant son contact vous insuffle un sentiment de puissance. De la force et de la spiritualité, pas mal. Très bon item. Et du coup, on va s'arrêter au campement. Et on va s'arrêter là, du coup, j'espère que ça vous a plu. C'était bien Tandax, mais franchement, le jeu est vraiment cool. Hein. Vous voyez, il est pas simple, clairement pas simple. Faut connaître les boss, les apprendre, développer des stratégies pour les affronter. Donc vraiment, franchement, vraiment très très bonne découverte ce jeu. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde.